Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc le début du troisième rendez-vous pour Fanny, donc qui commence à implémenter les choses. Et vous allez voir à son témoignage qu'est-ce que ça lui permet de mettre en place et de comprendre. Je vous retrouve après la vidéo. Donc oui, donc du coup, j'ai mis en place le fait de m'octroyer une petite plage horaire. Alors ça n'a pas toujours été le matin, comme je m'étais dit, mais bon, ça peu importe. Et ça commence à s'ancrer, à devenir bah, du coup une habitude. Hein. Il faut un peu plus de temps que ça de toute façon, mais voilà, du coup, c'est vraiment un moment que je prends et où je me dis, ah oui, là, on y est. Et j'arrive à bien tout comme me mettre dans ma bulle et voilà, laisser le reste de côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, bah, du coup, ça me fait prendre conscience que là, j'avance concrètement, du coup, aussi sur mon projet, sur moi et sur mon projet, du coup. Donc voilà. Donc Fanny a mis en place ce qu'elle avait décidé de faire pour vraiment ancrer plus son projet. Son projet est de changer de métier, de changer de profession, de s'installer. Mais en fait, ça restait vraiment beaucoup dans la tête. Elle avait des idées, etc. Mais il n'y avait rien de concret dans le quotidien. Et donc là, justement, elle commence à le mettre. C'est elle qui a choisi une action, c'est elle qui a choisi son rythme, la durée. On a vérifié tout ça pendant la séance pour qu'elle puisse être confort avec cette pratique qu'elle décide pour elle. Et elle conclut en effet que oui, en effet, ça met plus d'ancrage. Elle se sent plus proche de la mise en place de son projet. Évidemment qu'au tout début du rendez-vous. Et donc je vais vous retrouver dans une autre vidéo pour le résultat à la fin justement de ce troisième rendez-vous. À tout de suite pour la suite.